Bonjour à tous, je suis très heureux de vous emmener aujourd'hui au golfe de La Rochelle du Sud. Et regardez qui voilà, la personne qui va m'accompagner pour ce vlog, Maxime. Bonjour tout le monde. Il est quand même super joli ce départ. Alors, trou numéro 1, c'est un par 4 de 242 mètres en dogleg droit, si je me souviens bien. Bon, bonne partie mon Max. Merci à toi aussi. Oui. Merci d'avoir fait la vidéo avec moi. Un grand plaisir. Attends, le spectacle ne fait que commencer. Allez, on va niquer un peu de terrain. Bon, mulligan ou quoi? T'as le droit. Avec moi, tout est permis. Allez, très bien. On a la limite du raisonnable quand même. Oui. Bien à gauche. Oh. Ouais, je vais en mettre une quand même, ouais. Si jamais. Elle m'a l'air propre. C'est pas mal. Oh oui. Bien joué, très bien. Yes. Allez, c'était la chauffe. Ah, puis surtout si ça fait 2 mois que t'as pas joué. Ouais, bah c'est clair. Je suis rouillé. Rouillé. Allez, en détente, tout droit. Yes. Bon alors celle-là, je vais même pas la choper sur le shot tracer, mon pote. Bon. Ah si, ça y est, je la vois. Elle est là. C'est bon. On est venu l'autre jour au magasin pour acheter ça. J'ai mangé pas le short là. Donc tu remercieras encore ton collègue aussi, oui, qui s'est bien occupé de Simon. Parce que là, merci, si tu savais le bonheur que c'est. J'ai vu ça, j'ai vu Arnaud qui s'était... Ah, c'est pas grand-chose, mais alors ça nous apporte un confort énorme. Et ben, nos deux petites balles sont là. Donc, celle de Maxime est à gauche, la mienne est à droite. Et le green est donc... Ah, et derrière les arbres, là. Oh la vache. On voit le drapeau, on le perçoit. Ouais. Donc là, il va falloir que je passe au-dessus des arbres. Ah, c'est chaud quand même comme deuxième coup là. Ouais, ouais, deuxième coup ici quand tu connais pas, il est pas évident. Ah, ça va être court. Je pense que ça va être court, ouais. Ouais. Ah oui, c'est là. Ah, ça va être... Oh. Eh, nickel. Le coup, moi, c'était... C'est vrai? Ouais. Et moi, je suis pas fan, hein. Du coup, il faut construire un petit peu, ou il faut réfléchir davantage. Là, et il faut essayer de passer soit à gauche, soit à droite. Ah bah là, de toute façon, ce qu'il faut, c'est que tu sois, tu passes à droite de l'arbre du milieu, à gauche de l'arbre du milieu là, et que tu fais confiance un petit peu au terrain, et que la balle te ramène un petit peu sur le gain à droite. Ouais. Et là, tu peux faire un coup, tu peux y aller quand même, parce que là-bas, là, ça roule pas là. On l'a roulé un petit peu, ah, peut-être. Bon. C'est mieux. Arrête-toi. C'est un bon coup. Bon, j'en ai mis un petit peu trop, quel dommage. Mais bon, fallait arriver à passer, c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai travaillé ça encore. Donc bon. Oh, que c'est joli là. Alors, Maxime a fait un super beau coup là. Bien, moi je suis complètement à droite là-bas. Je répare les pitchs que les gens ne relèvent pas. Ouais. Relever son pitch. Ce qu'on apprend dès le début. Alors après oui, je veux bien. Je veux bien, il est 19h. Les greens commencent un petit peu à être abîmés. C'est pas une raison. Faut que je
retrouve le dosage. Hein. Ouais, c'est un peu loin. Et là, tu vois. Et ça, par contre, c'est un coup que j'aime bien faire, tu vois. Mais là. Après, fais gaffe, c'est pareil, parce que là, t'as une cuvette qui se fait accélérer la balle. Ouais. C'est à la fin que ça remonte, justement à la fin. Ça, c'est pas mal joué. Oh, j'ai cru que ça allait rentrer. Avec une balle sale. Ah, dommage. C'est long en plus, ça roule. Oui. Autant là-bas, ça roule pas. Mais alors ici, ça roule. Bon là c'est la surprise. Ouais c'est la surprise exactement. Bon c'est une blague. Oh. Allez hop. Oh. Dommage. Si je la loupe celle-là. Non bah non. Et double. Bon, en tout cas super content parce qu'on a mis du temps avant d'arriver à se capter tous les deux pour pouvoir jouer. Donc ça c'est vraiment top. Et donc là derrière il va y avoir le. Ouais. C'est le chantier là. Ouais. Et c'est quoi, c'est un 18 trous compact? C'est un trou compact. Bon je vous mettrai. Ouais. Bon. Je vous mettrai en description. Ah. Là on arrive au départ du trou numéro 2. Celui-là que j'avais bien aimé. Donc, on est toujours sur un par 4 189 mètres. Et j'aimais bien ces départs. Là, ça s'est bien serré avec les arbres qui ont bien poussé à droite là. Ah oui. Et à gauche, de rien, pour passer aussi, c'est pareil, c'est un peu coton. Allez, reste en ligne. Impeccable. Tiens. Ah, le voilà. Allez, là. C'est là, ah, c'est bon, on la tient. Et ben là on va vivre une grande première parce qu'il n'y a pas de drapeau apparemment sur le trou. Donc moi je me suis foutu voilà, dans une belle merde. Oh ça va, balle basse c'est bon là. Ça marche, ça marche. Moi ouais, ça me va. Ah oui ça va. Ouh, c'était pas simple de sortir de là-dedans. Enfin, pour moi. Ah ouais. Bon, ça va, j'ai joué qu'une fois sur ce parcours. C'était un lendemain de premier de l'an. Moi, j'adore jouer les lendemains de premier de l'an. Ah ouais, c'est vrai, c'est hyper cool les lendemains de premier de l'an. Déjà, t'as personne, tu décuves, t'es bien. Pas grand monde. Tu digères, tu décuves. Voilà. Du coup, tu joues relâché. Qui est très important au golf. Donc là, faut que j'aille vers où? Et bah, même chose, le bunker qui est là-bas, il faut que tu joues dans cette ligne-là. Et c'est après le bunker? Tu vois ma balle? Ouais. Tu vois ma balle? Ouais. Bah, l'axe de jeu est là en fait, c'est entre bunker et ma balle. Tu peux pas aller à gauche, pas aller à droite. Si t'es à gauche, tu vas te faire chier avec les arbres. Et à droite, c'est du rough. Donc vraiment axe bunker. Et si tu veux, si t'as peur d'être trop long par rapport au bunker, tu joues ma balle. Non, non. Ah, ça va piquer. C'est un bon coup. Tu la prends très très bien. En fait, ce qui est trompeur ici, ça m'est arrivé la première fois que j'ai joué ce trou, c'est la distance au final. On a l'impression qu'on est assez loin alors qu'au final. T'es hyper près, ouais. Oui, oui. C'est vraiment un coup. Bon. Qui est pas si long que ça. Mais non parce que là. Mais là faut vraiment que tu sois axe bunker si tu la mets là-bas. Voilà, là c'est exactement le coup, faut que tu t'arrêtes maintenant. Allez, stop. Ah putain, je vais être trop long partout. Ouais, c'est dans le bunker. J'ai vu tomber. Enfin, j'ai vu descendre et remonter. Ah j'aurais dû partir au pic. Bon, et ben là, ce deuxième trou là, déjà, il fait mal. Et il est là, le drapeau. Le coquin. Ouais, il était vraiment bien caché. Bon, bah Maxime. Maxime va jouer son deuxième coup là.
Effectivement, c'est pas évident. Quand tu connais pas là. Pas vraiment là où je voulais aller. Pour moi, ça va être une belle croix, non? Non. Regarde, je l'envoie celle-là encore. Ouais, est-ce que là, je sais plus à combien je suis là. Là, c'est ton quatrième coup. Non, ce que je dis, sixième coup. Ouais, là, je tape pour 6, ouais. Après, si tu pars sur le potentiel confiance, si je la rentre, ça fait que double. Bon, ça. Ouvre ta face de club et on y va. Allez, la côte. Ouais, c'est un peu partout. Hein. Malheureusement. Rochefort aussi. Rochefort, le Vopitch alors. Bon là, il va me rester quand même un long putt. Il y a une grosse pente là. Enfin, il y a une grosse bosse là. Il va manquer. Ouais, bon, de toute façon, je l'ai chié là. Je l'ai senti quand j'ai tapé. J'ai pas voulu. Est-ce que ça roule? C'est fou ça! C'est ce que j'étais en train de me dire. Quand je l'ai vu partir, j'ai fait ouh là 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 là. Ah, mais du coup, j'ai pas du tout les mêmes sensations que. Oui, que là-bas. C'est dingue! Moi j'étais content. Premier putt que j'ai fait, je la rentre directement. Je dis ouais! Bon. C'est dingue ça. Bah, de toute façon, quand on joue pas un putting. Je les retiens tous les coups. Déjà quand on joue, c'est chaud. Alors quand on joue pas, c'est encore plus chaud. Bon là je vais putter pour 8. Ouais. Allez Max, j'irai de la rentrer celle-là. Ouh dommage. Oh là 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 là. Ouais mais après, c'est longtemps que t'as pas joué. Bon tu finis encore en bogey. Ouais ouais, ouais. Après. J'ai pas envie de me chercher non plus trop d'excuses. Ouais. Hein. Bien. Franc. Voilà. Franc, direct, dedans. Bon, ben on finit à plus 8. Max Boguet. Plus 8 ou plus 9, je sais plus. 6, 7. 9. Ah, et 9. Papa. Ah. Un truc que tu apprécies. Oui. Beau souvenir de la Jarne, ouais, plus 9. Ça fait toujours cet effet là. Ah ouais, c'est que je me suis fait littéralement avoir par les distances là. Ouais, comme tu disais, on a l'impression que c'est loin, oui. Et en fait c'est très très court. On a l'impression que c'est loin, c'est court. Les greens, on a la sensation, du moins dès le départ, que c'est lent et au final ils sont plutôt roulants. De quoi ouais. Bien se faire avoir. Du coup, et voilà, on est en plein dans le petit parcours. C'est mignon ce petit chemin là. On va régler la mire. On va où? Je ne sais plus. Je parle du coup numéro 3. Ah oui, ça c'est vite. 3 ou 9, je sais plus. Assez large, assez accueillant pour un drive, mais justement, c'est ça le piège. Est-ce que pour le spectacle on y va ou pas? Moi je vais driver moi. Allez, pour le spectacle. S'ils sortent comme au practice, on est bien. Bon. Bah écoute, tu m'as chopé. Alors, trou numéro 3, donc toujours un par 4, 334, tout droit, avec le green au bout là. Et à gauche, non. Pas partout. Non, pas à gauche. Ah, pas à gauche. À gauche, on est sur trou numéro 9, c'est jouable. Très bien, t'as bien fait de me dire ça. Oh, celle-là va être bonne. Hop, 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 cette praline. On fait vers les arbres là-bas. Voilà, bah, c'est quand même beaucoup mieux quand c'est relâché. Eh oui. Rien à voir, ça va rouler des kilos. Bon, bah, moi ma balle atterrit ici, donc elle a bien roulé, ça c'est cool. Il reste encore un deuxième coup vraiment pas facile.
Parce que là, on a les arbres, les bunkers, les mouettes. Pas trop combien il reste, mais bon, je vais avancer. Comme ça, un petit peu de distance. Dommage qu'elle tourne. Hein. Oh, oh. Derrière, c'est bon, elle vite. Hop, c'est vrai? Ouais. Oh. Bon, super jolie deuxième couche, je suis très content. Donc c'est dommage, j'ai pas eu le temps de filmer, mais Maxime est en train de me raconter que beaucoup de monde lui ont parlé de ses exploits sur la vidéo de Rochefort. Donc si vous l'avez pas vu, je vous mets le lien là-haut directement. Donc ça a bien fait rigoler tout le monde, donc je suis content, lui aussi. Voilà, principal, c'était ça. Ah bah bien, nickel. On va aller. Bon, t'as juste, faut que tu passes au-dessus des arbres. Qu'est-ce donc? J'ai trouvé ça sur le parcours. Ah. Je pense que c'est un cover de putter ou quelque chose comme ça. Ouais. Donc si jamais vous regardez cette vidéo, vous pourrez retrouver, je pense, ce cover en appelant le numéro suivant, le 05 49 65 65 65. Ceux qui auront reconnu, c'est le numéro du Père Noël. Et vous l'aurez grâce à lui. Voilà. Alors. Du coup, je vais le ranger quand même. Oui, parce que le repère pas, parce que sinon... Ça serait con. Putain, j'étais un peu long, effectivement. Parti à l'hybride, non? À l'hybride, c'est mon fait-tout. T'as les distances, là, ou quoi? Non. Non. C'est pareil, je pensais avoir les distances, mais au final, l'application, elle veut pas prendre. Bon, on va voir. Tout à l'œil. Ouais. L'œil du tigre. Ouais. Où t'as été te mettre toi? Bah, je sais pas. Je pensais la voir atterrir. Oh! Oui. Oh! Là, j'étais en train de prendre une photo alors du coup. Oh! Ah! C'est mieux ça? C'est beaucoup mieux, oui. Bon, les mouettes là! Vous êtes brillantes les filles. Ah. T'as ton gueule en plus. Ouais. Moi j'aime bien ce petit golf. Hein. Franchement, il est agréable. Il est plat. C'est vrai que ça change de Rochefort. Mais c'est joli, c'est arboré. C'est. Ah bah d'ailleurs. Hop là. Allez, prépare un truc parce que moi ma petite tête. Donc je disais que c'était un golf super bien et c'est un parcours éco-responsable labellisé argent pour le programme sur la biodiversité où golf et environnement sont en étroite relation avec votre santé. Voilà le message sur l'accueil du site du golf. Et ben j'avoue que c'est pas mal. Alors, je me suis vous voyez, ma balle est en bord de lèvres là-bas, ça va être super. Ça va être un bon coup à la con ça. Bah là, il faut vraiment avoir un angle bien descendant et à prendre bien comme il faut. Oh, heureusement que c'est pas plugué. Non, c'est clair. Faire ça, exactement ça. Sans plus, sans moins. Exactement ça. Oh! Oh là 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 là! Hey, c'était le drapeau, la caméra. Oui, t'avais le choix. Bien joué. Ah la vache! Putain, en plus, je crois que je le plante. J'ai pas le trou en entier. Ah merde. Ah non, j'ai pas le plan. Ah purée. C'est dommage, je vous ai pas vu, mais alors elle a dunké, mais juste à côté du drapeau. Ah, quel dommage. Super ça. Oh, dommage. Allez, fini, fini. Bah, tu devrais péter à une main. Ouais. Ça marche bien. Donc là, on va péter pour le par. Ah, je suis dégoûté de ne pas l'avoir...
pas l'avoir filmé. On devrait le voir quand même, non? Ouais, tu peux le voir un petit peu. On devrait voir le drapeau bouger. Oui. C'est bien. Wow. Yes. C'est bien poté, hein. Ah, on a du peu de temps, là. Bon, je suis cool, impeccable. Par... Eh ouais, putt, attends, t'aurais vu quand j'ai fait mon match play. J'ai fait un match play contre un ami de Bellefontaine, là. Ouais. Ah, je te lui ai rentré des putts, il était deg. Tu m'étonnes. Je te fais un birdie de ouf sur le trou numéro 1, à Rochefort. Pour commencer. Ouais. Désolé, hein, Johnny. Très important de boire. De l'eau. Tu as raison. La bière, c'est sur Instagram. Ouais. Moi j'ai récupéré ma petite gourde, tu vois. Et celle-là. Ah bah aussi que j'ai vu ça tout à l'heure. Ouais, c'est pratique ça. Ah, tu perroir. Et bah voilà. J'ai mis longtemps, je l'ai éclaté l'autre. Petit placement de produit en même temps, c'est bien. Ouais, si vous pouviez m'en donner une autre, tu perroir, merci. L'autre, je l'ai lâchée, elle s'est éclatée la gueule par terre. Ah bah oui, bah ça. Donc là, vous avez le clubhouse qui est là-bas. Donc avec le bar, la brasserie, on y boit et on y mange très bien. Vous avez le petit terrain de pétanque, si vous avez envie de faire la pétanque. Là, il y a la tôle, si vous voulez faire un petit tennis sur la terre battue. Ah oui, c'est vrai, il y a oui. Le terrain de tennis aussi. C'est très agréable. Oui, parce que j'ai vu en plus qu'il y avait des stages pour les enfants. Ouais. Donc, hop là, si vous avez des enfants, stage tennis, golf, plus l'acrobranche aussi, j'ai vu. Ils font avec, derrière, voilà, ouais, avec goûter et tout. Le vertigo pas. Donc ça peut être super top pour les enfants. Trou numéro 4, donc là bas c'est tout droit et après il y aura les bunkers qui vont nous gêner enfin. Par 3, 100, bah 167 mètres, de toute façon c'est les mêmes départs. Le premier de la partie. Ouais. Oh donc les là, bons petits papillons. On est un peu plus avancé puisqu'on est quasiment au repère des rouges et bleus. Donc on doit être à 100. Ah oui. Repère rouge et bleu. 144, ouais. 144. Vraiment... 144, moi ça va être mon hybride, tu vois. Et moi ça va être un fer 7 un peu raccourci. Comme un bras. Très bien ça. Oh c'est con. Arrête en jeu, c'est bon. Oh là là, le kick de merde. Le sport, le golf est un sport qui coûte cher. Oui, seulement si on perd des balles. Après, bon, le reste, au fur et à mesure du temps. On peut s'équiper. Ça, c'est pas mal, c'est une belle flèche. Arrête-toi, bébé. Arrête-toi. 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 Allez, sorti. Oh, dis donc. T'as fait la même que moi, mais dans l'autre sens. Allez, viens avec moi, copain. Au revoir. Le save est définitivement trop long. Voilà le beau green du trou numéro 4. Ouais, là t'as pris la butte là. Ouais. C'est super. Et alors du sable. Un sable blanc. Ah, j'avais pas vu. Il y a un bunker juste derrière. Oh les champions du monde. Ah quoi que attends. Putain, vous allez voir. Avec du cul, c'est Max qui est en haut et moi en bas. C'est ça? C'est ça. Eh merde. Toi, tu es tué. Ça, c'est super beau par contre. Hein. Avec le soleil qui reflète comme ça et tout. Hein. Avec un petit danger quand même à l'arrière. Un petit. Ça descend. Fini ton geste. Ouais. Bon, belle sortie toute pourrie pour ma part. Deuxième coup en axe. Ah, c'est pas mal joué ça. Oh que les couleurs sont belles. Attends, pour en faire une chanson, tu vois. Toutes les couleurs sont belles. Bon,
on va flotter pour boguer. Et pas trop fort, parce qu'après il y a la descente. Ouais. Je dis pas exactement trop fort. Ah oui, je me suis fait avoir par la roule là. T'as pas vu? Si, si, j'ai vu. Ah! Vilaine! Elle est ressortie. Bon, après, c'est pas grave de prendre des valises. Moi, je suis super content qu'on soit là. Yes! J'aurais dû enlever le drapeau parce que du coup j'aurais fini en 6, tu vois, et là je finis en 7. Ouais. Avec cette vérole. Bon, après un commun. Comment on dit? Un commun accord? Un commun accord avec moi-même. Et Maxime peut-être. Il est gentil, il me le laisse en 6. C'est par où? C'est par là. Alors on retourne sur un oui, sur un autre par 3. Oui. Voilà le joli départ du par 3. Là, je prends en photo tout à l'heure. On voyait un grand steak devant à chaque fois, mais voilà. Ah, c'est superbement arboré. C'est vrai que c'est top. Hein. Il est où le panneau? C'est très mignon. Le panneau est là, je crois. Okay. Alors, trou numéro 5 par 3, 134 mètres, tout droit. Deuxième plateau. Bon, donc ça veut dire que c'est un trou, c'est un green avec deux plateaux. C'est un green avec trois plateaux. Trois plateaux, merci. Voilà. Un, deux et trois derrière. Et reviens un peu à gauche là. Oh, c'est pas possible ça. Ah, tu mets tout à droite. Hein. Oh, cette chatasse. Il y a des singes sur le... Tu vois, il y a un youtubeur qui est du côté d'Arcachon, avec qui normalement je dois jouer cet été, là. Ouais. Et quand ça lui arrive, c'est miaou, miaou. Bah ouais, bah c'est pareil. Moi, c'est les singes. Putain, c'est dingue, ça. C'est cette corde, ouais. Elle est là. Elle est là. Ah, toujours là. Elle roule. Elle s'arrête. Un truc, tiens. Tu vois? C'est ça que j'aurais dû faire. Et on est où là? Oh, premier plateau. Mais je vais devoir jouer le deuxième. Enfin le premier. Ouais. Je tenais à remercier le golf de la Rochelle. Voilà. C'est super accueil. Super endroit, super entretien. Donc merci à vous. Je reviens. Sud. Oui, la Rochelle Sud. Pas la Rochelle, l'après. La Rochelle Sud. Tu as raison, non mais tu as raison. Il faut préciser. Oui. C'est très important pour. Voilà. Merci de votre accueil. Les followers. Je pense revenir. Si vous voulez m'inviter un jour pour refaire d'autres vidéos, je viens. Les invitations, toujours bon à prendre. Regardez ça, si c'est pas beau. Moi, ah. Ouais, j'adore ce trou. Donc, Maxime est parti chercher sa balle là-bas. Donc la mienne a atterri ici. On a la première qui est sur le plateau. Enfin, la deuxième qui est sur le plateau. Effectivement, il est pas simple hein, quand même. Hein. T'as vu ça un peu vu d'ici? Ah oui. Avec le jeu d'ombre. Avance. Bon. Déjà, je suis dessus. Ta. Il y a une bataille de mouettes là-bas. Je sais pas si vous les voyez au fond. Ah, elle va rester. Oh non, t'es quand même monté. Ah oh, putain, ils sont forts. Que je change la batterie, tu vois. Déjà. Ouais, ça se bouge très vite. Petit trou et. Même pas. Ah, oh, c'est cratère. Okay. T'en as partout de toi. Hein. C'est vrai? Regarde bien, tu vas voir. Moi, j'ai pas vu encore. C'est quand même pas compliqué. Hein la jarne, relevo pitch, bon, putt pour part, très simple.
tout droit en montée. Hey, ça roule. Et alors, si vous êtes trop long, vous avez un beau bunker qui vous accueille. T'as un beau putt pour le par à la con, toi. Ah, c'est bien. Oh, c'est dommage. Parce que ça, c'était vraiment pas mal. Hein. Je te dis, c'est les coups les plus compliqués que j'arrive à le mieux lire. Dès que c'est trop simple, dernier mort. Oh. Autoritaire. Ah. Oui, bah souvent. Très souvent. Bon, bogey pour ma part. Bogey pour toi aussi. Du coup, ouais. Voilà. Pas très joli, hein. Oui, oh, c'est pas grave. Je vais te dire, moi, je suis très content qu'on soit tous les deux, qu'on puisse faire enfin ce vlog pour vous présenter le golf de la Jarne et donc ton golf, parce que Maxime est bravo. On a quand même attendu qu'il fasse beau. Oui. Qu'il fasse bon. Voilà. Le départ du trou numéro 6, super joli départ. Départ du trou numéro 6, c'est un quoi celui-là? Par 4. Drivable. Ce qu'elle a... Derrière les arbres à gauche là-bas. Ah purée ça, c'est beau. Eh bah tu t'es mis bien. Bah on est sur le green je crois. Tu crois? On doit être bordure de green. C'est pour ça que je te disais le drive, c'est pas du tout le. La balle était trop, ouais. Le bon club. Et encore celle-là, je l'ai prise un peu haute dans la face de club. Ah mais elle est revenue comme ça là, donc ouais. C'était nickel chrome. À vous chef. Et bah c'était la bonne ligne. Mais elle revient. Non mais ouais. Ça va aller. C'est bien là. Il est quand même joli ce trou là, parce que le green est un peu en renfoncement. Et donc là, l'été, la Tigo Park. Ah oui, c'est là. C'est vrai que du green on le voit un petit peu. C'est ce trou, le trou numéro 6, qu'on peut voir les gens jouer au sein, dans les arbres. Et eux peuvent nous voir aussi. Ouais, exactement. Bon, bah, le bois 3 de Max, t'étais presque green. Hein. Donc moi j'ai atterri ici. Ah, si elle avait pas tourné, ça aurait été pas mal. Hein. C'est super joli comme endroit là. C'est tout en renfoncement. C'est beau. C'est bien joué ça. Avance. Eh oui, avance quand même. Ça l'a ralenti. Hein. Ouais. Le pré-green était un petit peu redoutable. Mais bon. T'as failli faire un dunk sur ma balle. C'est super bien. Putt pour birdie. Putt pour birdie. Dis donc. Mais il s'agirait quand même au bout d'un moment. Ouh, et par contre ce trou là, en plein été, grosse chaleur, tu dois être hyper bien. Oui. Bon, ben Max nous a fait une super approche. Je vais même finir. Avant que tu puisses jouer, comme ça au moins tu seras tranquille. Tu sais que j'ai encore perdu mon compteur de balles. Ah bah. Ah bordel. Ah non, il y a. Et Jordi. Ah oh, yes. La Jarne, beau pitch. Encore. Oh là. Là, il me reste moins un long putt. Principal, c'est de se rapprocher. Avance un peu. Il est pas donné hein. Tu peux t'en monter. Tu peux attaquer. Ouais ça monte, tu vois, on dirait pas. Légèrement, hein. Légèrement, c'est pour ça. Décidément, hein. Costaud. Oui, faut que ça continue comme ça. Part. Cool. Ouais, on dirait pas que ça monte parce que j'en ai mis une praline quand même tout à l'heure. Hein.
là, on a le soleil, pleine bille. Donc ma balle, moi. Atterrit ici. Celle de Maxime à côté de l'arbre là-bas, je ne sais pas comment il va s'en sortir. La dernière fois que je l'ai joué, j'ai été trop long. Ça va être long ça ? Un peu long ? Un peu long, ça va. Tu dis Jean-Michel, on tente des choses ? Mmh. Ah oui, c'est vrai que tu t'es mis. Oh putain, t'étais bien mis là. C'est con hein. Bah, tu sais, pour un golf qui prône la biodiversité, les arbres et tout, tu leur fais honneur. Regardez donc, je rends hommage. Ces gens travaillent d'arrache-pied pour nous confectionner un terrain aussi compliqué qu'agréable. En plus, t'as un halo lumineux juste au-dessus de toi, on dirait Dieu. Un saint. Le Saint-Bernard ? Ouais, le Saint-Bernard. Allez, on va essayer. Hein. Je garantis rien. Allez, bunker. Dommage. C'est exactement ce que je voulais faire. C'est vrai. Je jure, exactement. Bon, bah tant mieux. Pour qu'elle prenne la... C'est exactement ce que je voulais faire. C'est dommage. Il n'y a pas assez de vitesse. Maxime pour sa sortie de bunker. Yes, super. Ah, c'est dommage. Donc moi, je me suis mis complètement à droite, là. Il reste un long putt à faire. Allez Max, un petit putt pour le par. Ouais. Là ça roule pas. Oui. C'est parce qu'il est à l'ombre, il veut plus rouler à l'ombre. Ah. Tu auras tous mis ici. Hein. Oui. C'est propre. Là, je suis content. Voilà. Donc là, on arrive sur le départ du trou numéro 8, 7, 8, je sais plus. 8. 8. Voilà, le super joli départ. Avec nos amis, en fait. Attends, mais regarde, regarde, c'est en train de... Tout là-haut, là. Je pense que je peux en poquer une. Arrête, on va avoir des problèmes, après. Le premier et le dernier par 5 du parcours. Voilà. Qui est bien accueillant, quand même. Ouais. Alors, limite, là-bas, ouais, il est bien accueillant, là. Il est où leur limite là ? À gauche le champ et à droite le parcours école. D'accord. Voilà. Oui monsieur, et une mouette au passage. Là, là t'as fait de la distance. Hein. Stay there. Oh ! Oh oui, je viens de revenir. Ah bon ? Oui. Oh cette chose! Oh là 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 là! Coup de drive tout pourri, mais alors elle est complètement à droite. Merci monsieur le jardinier. Ouais, donc du coup je te disais, j'ai le cours de driver là que je vais filmer, du coup avec Arthur de Fair Golf Academy. Bien. Ah, monsieur Smadja? Oui, tout à fait. Salut Arthur Smadja. Et normalement, on va faire le vlog sur le 9 trous de la Palmyre en même temps, tous les deux. Il a accepté l'offre, donc voilà. Ah oui, bah là tu vas avoir du beau golf. Hein. Très content. Merci beaucoup. Il n'y a plus qu'à mettre tout ça en place maintenant. Mmh. Là, regarde. Regarde, regarde. Ah, putain, bien joué. Je te dis, elle a pris là, l'arbre là. Et elle est revenue complètement ici. Hein. Un gros coup de cul. Là, là ça va rouler. Putain, c'est dommage que je la prenne comme ça. Sinon la ligne était bonne. Hein. Problème du bois de 3. Eh oui. C'est dur à jouer sur un fairway. Et c'est que je commence à le toucher, tu vois, bien comme il faut, à plat. Oui. Donc de temps en temps, je fais des tentatives. Maintenant, voilà. Confiance, c'est comme ça qu'il faut le jouer. Ah. Quand t'es pas en confiance, faut pas le jouer. Là, je savais que c'était un peu mal laillé. Ouais, c'est ça, je pense, oui, qu'il était foutu derrière là. Oh, les mouettes. Et même à Saint-Laurent, on n'en a pas autant. Hein. C'est vrai? Ah bah, j'en viens. Ah! Bon, ben là, je sais pas. Je sais pas le coup qu'il me reste, combien il me reste là.
Ah, il te reste un bon coup de fer, un bon coup d'hybride. Un hybride 4 là. Oui. Que tu m'as vendu. Oui. Si bien, je vais taper à 200 mètres avec. Rien. Montre-moi. Les jours où ça va bien. Et c'est mon trou de cul. Oh la vache. Ah, tu vois, t'as pas atterri à l'arbre. Ouais, mais bon. T'as les branches à passer. La nuit est chaude. La nuit est chaude. La nuit est belle. Elle est sauvage. La nuit est belle. La nuit est belle. Allez. Bon, on va finir un peu. Alors regarde ton truc, il est beau. Ligne droite, au-dessus de l'arbre, green. Peut-être. Ah, je sais pas, il y a une mouette qui me gêne. Pousse-toi la mouette. Ouais. Oh, grosse chatasse. Bon là, ça va être sans ta rage. Hein. Oui, parce qu'il y a du danger. Super. La fairway. Allez, top mass green. Le green. Là, il doit rester 100 mètres, peut-être. Il doit rester 100 mètres, à peu près, ouais. Il y a le piqué des 80. 100 mètres, c'est ça. 100 mètres, ça va être 60 degrés à fond. Non, je déconne pas. Ouais. Évite ce genre de conneries, c'est très dur à faire. Non, ça va être, je sais pas. J'hésite avec le pitch ou le faire neuf. Bah. Est-ce que avec le pitch, c'est pas d'arriver sur le green? J'en sais rien. Sincèrement, j'en sais rien. Parce que là, tu prends le neuf et tu t'assures derrière. Derrière, c'est dangereux aussi. Bon, là, c'est le neuf. Et c'est magnifique, hein. Ouais. Le jeu est à gauche. Merci les mouettes. Le jeu est à gauche. C'était le... Bah. Je crois qu'elle est ressortie sur l'autre. Ah, mais c'est le trou de la chatte. Miaou. Ah, là, quand même. Ça n'existe pas. Bah, si. Ça n'existe pas depuis tout à l'heure. Là, je viens de scotcher Maxime. Pas un seul coup droit. Pas un seul coup qui va super bien. Mais dessus, mais tu t'en sors quand même. Voilà, ça prend des rebonds, ça revient. Là, elle est rentrée dans le bunker, elle est ressortie. Et la lèvre est bien haute. Le golf champagne. Ouais, et je crois que par contre, je suis dans l'autre bunker. Ah, il y a de la marche quand même. Tu devrais être dans l'herbe. Hein. Ah, tu crois? Bah, je pense quand même. Il y a un peu de marge. Tu peux passer un homme. Et toi, il est super ton deuxième coup là. Ah, c'est dommage, il manque vraiment rien. Ouais. Bon ben voilà, on a parié, moi j'ai cru que j'étais dedans. Maxime a dit non, c'est lui qui a gagné. Je préfère quand même que tu sois là que là-dedans, hein, parce que merci. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est un peu sec là. Hein. Autant les bunkers au début du parcours sont très jolis, autant ceux-là qui sont hyper accueillants sont vraiment... Très sec. Ouais, et le mot est faible. Oui. Pas mal. Un jour j'en rentrerai une comme ça. Bah, si on avait continué sur la lignée du trou avec du cul, tu vois, elle aurait pu rentrer. Pas trop quand même. Laisse-en moins un peu. Super. Mmh. Peut-être pour bogey avec mes conneries. La classe à Dallas, comme on dit. C'est très propre. Oh là 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 là. On a un récital de putting depuis le début du parcours. Ah. Yes. Je serais bien inspiré de faire pareil. Hein. Mais tu peux faire pareil. Fou, dommage. Je t'ai mis la pression, Max, je sais. Ouf. Allez, ça te repart.
Et ben super joli par 5 qui est par contre voilà, bien défendu par les bunkers là, bunker là, bunker ici. Hein. Les arbres. Ouais, faut faire. Oui mais les arbres ils sont gentils. Ils rendent les balles. Donc là, départ du trou numéro 9. Avec donc le départ d'ici qu'on a pris tout à l'heure. C'est super joli. Franchement, c'est super beau. Hein. Avec de l'ardoise partout. Et donc là, trou numéro 9, par 4 de 283 mètres. Et tu n'y vas pas au drive. Oh non. Parce qu'on sert bien là-bas. Oh, elle est belle. Putain, mais c'est fou ça. Allez. Voilà. Parfait. Oh, il est gentil le kick. Ça va ou pas depuis tout à l'heure les coups là? Écoute, pas vrai ça. J'avoue que je crois que j'ai jamais eu autant de chance. Ah bah, voilà. Ça fait quasiment 4 coups d'affilée là. Ouais. Parce qu'en plus là, il était mal barré mon coup. Hein. Non. Ah. Ton effet naturel, il va forcément faire revenir la balle. Forcément à chaque fois. Ouais. Donc non, elle est bien prise. C'est là, pour moi, je l'ai chié le truc. Hein. Elle est bien prise dans la tête de cave. On a retrouvé là-bas la Maxime. Qui? Comment on peut qualifier ce coup là? De merde. Parce que là, franchement. Ah ouais, d'accord, ok. C'est... Ah putain, c'est. Et ça pique. Ça, c'est marrant ça. Ça, c'est rigolo. Ça, c'est le golf que j'aime. Ah, puis là, il est obligé de faire un recentrage parce que de toute façon. C'est les coups où tu es obligé de faire preuve d'imagination. Ah, et puis il y a une belle. Parce que le green est là, là, mais il peut pas passer. Ah. Aïe. Et ben voilà. Juste derrière le piqué. J'ai cru que tu allais te mettre derrière le piqué. J'allais le prendre aussi. Bon. Donc là, moi, j'ai fait un super. La place, là. Ouais, j'ai fait un super coup de bois, je suis content. Par contre, il y a un beau bunker bien accueillant là. Même plus un bunker, c'est trop d'obus. Alors, comme on dit, ne pas avoir peur du bunker. Qu'est-ce que tu prends là? 8. Ouais, c'est bien 8. Ah, j'ai peur d'être court hein. Oh, j'y vais franchement. Ah oui, ça devrait être bien, ça va monter. T'as la gueule dans le sable si je vais dedans. Ah. Prends cette là. Ça tourne. Ah, c'est pas dedans. Ah, j'ai encore eu du cul. J'ai vraiment jamais eu autant de cul sur un golf. Elle va pas te déchausser pour le dernier coup. Hein. Ça monte très haut, ça. T'as voulu venir avec moi. Pourquoi c'est à droite? Parce que t'es gentil et tu veux venir jouer. Qu'est-ce avec que moi. Je fais. Putain, mon divo, il est en direction. Drapeau, face de club, je dois faire un par-dessus, je m'en rends pas compte. Ah, c'est fou ça! Si tu veux changer de club, je connais un super magasin à la Rochelle, ouais. À Périgny, là, c'est un golf shop. Bah attends, on va en parler. Parce que, là, parce que je connais pas moi. C'est vrai, tu connais pas? Ouais, super pas magasin. J'arrive tout fraîchement de la Rochelle moi. Super vêtements. Qu'il faudra que je fasse un fitting un jour quand le film, ça sera bien. Aussi, il faut jouer ça avec Jérémy. Bah viens. Hein. Pour que les gens voient un petit peu ce que c'est qu'un, tu vois, qu'un fitting, comment ça se passe, comment. Exactement. Donc voilà, tu vois, il y a plein de choses à caler, mais. Et c'est pas fini. Non. On a deux beaux coups qui arrivent là. Concours de chip pour le dernier voilà. Coup du parcours. Putain, et. J'ai pris la bordelève du bunker. Ouais.
dû ressortir tout comme moi. La tienne, je la vois. Ça change parce que généralement, c'est ma balle qu'on trouve pas. Tu vois. Et là, tu vois, ça change un petit peu, ça fait plaisir. Voilà, nos deux sont là. Ah, mais je suis con quand même. Là, moi, j'ai kické ici. Ouais. Et pomme, ressorti là. Saint-Bernard, encore un gros coup. Il a de belles branches. Joue, oublie que t'as aucune chance. Vas-y. Fonce. Et bah c'est joli ça. Dis donc. Tu vois. Quand tu veux. Ça n'a pas été que des mauvais coups aujourd'hui, non. Mais... Bon, après, il va falloir qu'on bosse pour... Oui. Finir. Essayer de déboîter les deux de Rochefort. Hein. On va essayer de les finir en effet. Parce que là... Du boulot. Ça, c'est loin d'être dégueu si ça roule un peu. Non. Ouais, je la lève, hein. Je la prends avec le panier. Et je veux pas y aller parce que sinon j'en mets une. Alors dites-nous tout, Maxime, vous potez pour le part? Allons du coup, parce que je me chercherai. 3, 4, c'est le bogey. Ah, bon, c'est moi qui pote pour le part. Ouais. Et tu me laisses l'honneur. Évidemment. L'étiquette de rigueur sur un vlog. Vous montrez le bon exemple. Ouais. C'est un bon pote ça. Oh mmh. Dommage. Et là, il a roulé. Hein. Oh, joujou. J'allais dire joli. Là, on va dire pas de chance. Oh, la fille. Rentrée, hein. Ressortie. Mon pauvre Max. Ouais. Coquine. Coquine. Le soleil se couche tranquillement, là. Le soleil se couche tranquillement. Ouais. Ah! Tu vois, fallait bien que j'en loupe un. Ah! Je finis en double, je crois. Quel dommage. Covid oblige. C'est bon, yes. Merci beaucoup, Maxime. Merci, monsieur. Super, très content d'avoir pu faire cette partie. J'espère que vous avez passé un bon moment parce que nous on a bien rigolé. Exactement, c'est voilà. Ce que je voulais dire. On a même un peu chaud quand même. Cette petite vidéo. Voilà. Merci à toi. Et puis voilà, quoi. Merci à toi d'être venu. Non, c'est très plaisir. Donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve une prochaine pour d'autres vidéos. À bientôt. Ciao. Et tout le monde.